J'ai fait de la je suis prof de français au Luxembourg, mais j'ai fait 2 ans de cinématographie à Strasbourg. Ah oui. Avec le professeur Leuillot. Oui, je connais près de nom Et pour moi, le taxi move, ça a été, c'est un boisset atypique, complètement atypique, mais j'ai rarement vu un scénario qui allait tellement dans le sens du roman et dans le sens du style aussi de Déon. Même la musique, l'image. Sard, tout est magnifique. C'est tourné à Lady's View, qui est un endroit assez incroyable. On a été il y a 2 mois. C'est beau, hein? On était là. On était à Ashford Castle avec Martine. On a été il y a 2-3 mois. On va sur tous les lieux. On est allé à Kong, The Quiet Man, John Wayne, The Field, Richard Harris. On est allé voir. Oui. Et on a été à Clifton et après on était là où Ryan's Daughter a été tourné, le film de David Lean, qui a été un peu malheureusement décrit, qui est un film absolument génial, absolument. Une région magnifique, vraiment. Magnifique. On a été là-bas, on a énormément. Moi, j'étais distributeur de films avant et j'ai pas fait Taxi Move, mais j'ai fait Canicule, qui est sorti un peu, c'est moi qui l'ai distribué. Oui, il y avait le juge Fayard. Elle a mis sur le même film, mais dans le. Johnny, sur le même film, mais dans le. Ça dit le stop. Thank you.
Okay, kannst du fangen. Thank you.
Monsieur Xavier Bettel, Premier ministre et ministre de la Culture du Grand-Duché du Luxembourg, Monsieur Adolfo Baratolo, consul d'Italie à Metz, Monsieur François Proisy, sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, Monsieur Alain Casoni, maire de Villerue, Monsieur Xavier Paluskiewicz, député de Meurthe-et-Moselle, Madame Véronique Guillotin, sénatrice et conseillère régionale Grand Est, Monsieur Pascal Mangin, conseiller régional Grand Est et président de la commission culture, Monsieur Jean-Pierre Minella, vice-président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Madame Rachel Zirovnik, du conseil départemental de la Moselle, Monsieur André Partenay, président de la communauté des communes du Pays Haut Val d'Alzette, messieurs les maires, messieurs les organisateurs du festival, toute l'équipe des bénévoles, chers amis, bonsoir. En ouverture de cette cérémonie des remises des Amilcar de la 40e édition du Festival du film italien de Villerue, j'ai le plaisir d'appeler sur scène Monsieur Xavier Bettel, Premier ministre et ministre de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, chers élus, mesdames, messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier l'encadrement musical qui est fait par Gérard Paty, entre autres, qui est un ressortissant luxembourgeois. Je tiens à le remercier. En tant que ministre de la Culture, on m'aurait reproché d'avoir fait un faux pas, de ne pas l'avoir signalé. Je tiens aussi à remercier la présence de M. Portante et de Mme Markiewicz dans le jury de ce festival qui montre aussi ce côté transfrontalier qui est vécu de manière quotidienne dans les deux sens. Et je vous en remercie. Je tiens... Alors, pourquoi est-ce que je suis venu ? Certains vont dire qu'est-ce qu'il a d'autre à faire que de venir pour les 40e anniversaire du cinéma italien, du Festival du film italien de Villerue. Première chose, c'est qu'on est voisins. On est voisins, on travaille l'un avec l'autre. On a souvent l'impression qu'on se connaît, parce que justement, on est voisins. Et pourtant, on passe très peu de temps l'un chez l'autre, à part pour travailler, mais pas pour apprendre à se connaître. Et je trouvais que de nos jours, où j'ai passé la frontière, je suis venu en voiture, je ne peux même pas vous dire où c'était la frontière, il est important de rappeler ce que c'est le voisin. Et que l'Europe, ici, c'est quelque chose que l'on connaît au quotidien. Et aujourd'hui, vous avez devant vous un Premier ministre luxembourgeois, qui est certes ministre aussi de la culture, mais qui est venu surtout en tant qu'ami et en tant que voisin. Ici est un festival, et tout le monde m'a dit, j'en ai discuté aujourd'hui avec certains amis qui m'ont dit, mais tu vas à Villerue ce soir, oh, t'as de la chance, tu verras, il y a une ambiance, c'est super. Les autres m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire à Villerue j'ai eu de tous les commentaires. Mais tous ceux qui connaissaient le festival m'ont dit, tu as de la chance d'y aller. Et tous ceux qui ne connaissaient pas le festival sont ceux que je vous ai décrits tout à l'heure qui m'ont dit « qu'est-ce que tu vas faire à Villerue ce soir ?» Et c'est ça, être voisin et pas se connaître. Et c'est un travail que je fais au quotidien. Je dois vous le dire, et j'en ai parlé tout à l'heure avec Monsieur le maire aussi, des problèmes qui peuvent exister au niveau transfrontalier, que pour moi il est important aussi que le Luxembourg ne soit pas qu'un endroit où on vient travailler, mais aussi un endroit où on doit apprendre à se connaître, à échanger. Et il y a 2 ans, j'ai fait un changement, il y a eu une refonte gouvernementale, et pour moi, il était important de pouvoir reprendre le portefeuille de la culture. Nous vivons actuellement dans un temps, et je vous ai parlé tout à l'heure des frontières, moi, j'ai jamais connu de guerre. Je suis né en 73, j'ai jamais connu de guerre, j'ai fait des études en France, j'ai fait des études universitaires à Nancy, je suis allé en Erasmus en Grèce. J'ai connu encore Zoufchen, Mondorf, Echterpenich. Aujourd'hui, demandez à quelqu'un qui est au lycée s'il se rappelle ce que c'est.
J'ai connu les bureaux de change où quand j'allais à Thionville ou à Metz ou à Nancy et j'ai changé mon BEF ou mon flux en francs français. Et puis après, quand je voulais aller à Trèves, il fallait que je le rééchange en Deutschmark. J'ai connu, et la plupart d'entre vous ont connu aussi, ce petit papier qu'on demandait à la caisse de maladie pour pouvoir aller à l'étranger pour 4 jours, l'E400, je ne sais même plus comment il s'appelle, je le confonds toujours avec l'E411, qui est l'autoroute Luxembourg-Bruxelles que je prends plus souvent. J'ai commencé par vous dire que j'ai jamais connu la guerre. Et oui, depuis 57, on a la chance de vivre en paix. On a la chance d'avoir des frontières qui s'estompent. On a la chance de vivre dans une démocratie. J'ai la chance, et si je regarde mon ADN, j'ai une grand-mère russe qui était orthodoxe. Elle est toujours, mais elle est décédée, donc, mais russe orthodoxe. J'ai un grand-père qui était juif polonais. J'ai une grand-mère, un grand-père qui était luxembourgeois catholique et une grand-mère qui était française, un peu plus athéiste qu'autre chose. Et aujourd'hui, mon mari est belge et je suis Premier ministre luxembourgeois. Dans d'autres pays, je n'aurais pas le droit de m'exprimer parce que je n'ai pas le critère que tout le monde a envie de respecter. Dans certains pays, je risquerais même d'être en prison. Et aujourd'hui, je suis venu ici sans papier, sans carte d'identité. Si, j'ai une carte d'identité. Monsieur le sous-préfet, ne vous inquiétez pas, j'ai pris ma carte d'identité. Mais je suis venu ici, je ne me suis même pas posé de questions. Et pourquoi je vous dis ça? Car certaines personnes essayent aujourd'hui de nous faire comprendre que l'Europe, c'est notre faiblesse. Et s'il y a bien un pays qui vit de son ouverture, c'est le Luxembourg. Ça fait 151 ans qu'on a signé le traité de Londres et qu'on s'est ouvert. Et cette ouverture a fait le succès de mon pays. Aujourd'hui, vous avez atteint un pays qui dit qu'il faut faire des murs. Pour moi, l'Europe, c'était justement de retirer ces murs. Et est-ce qu'on aurait pu s'imaginer, en 1957, que on allait réussir à mettre les Allemands et les Français autour d'une table et qu'on allait vivre en paix pendant tant d'années? On a fêté les 60 ans, c'est sûr, il y a des choses qui ne marchent pas. Et je dois vous dire que j'ai la chance d'avoir au Conseil européen un président français qui est un peu un président turbo, qui veut réformer les choses. Et on va réformer les choses ensemble. Parce qu'il est important que les gens ne soient pas déçus non plus de ce que c'est l'Europe. Et comme je ne suis pas loin d'une frontière, et comme je l'ai dit tout à l'heure, permettez-moi de citer Luigi Comencini qui a dit « La liberté n'est jamais excessive. La liberté est un bien qu'il faut défendre. Elle est un luxe. » Donc rappelons-nous de notre passé, rappelons-nous de notre histoire, et je pense que la culture y a un rôle primordial. La culture est le domaine dans lequel on peut échanger, on doit échanger. On ne doit pas convaincre, on doit surtout respecter. Quand je suis devenu ministre de la Culture, j'ai banni un mot de mon vocabulaire qui était « trouver quelque chose moche ». J'ai appris que, pas parce que moi je le trouvais moche, que quelqu'un d'autre devait le trouver moche aussi. Et j'ai appris à respecter beaucoup plus que c'était auparavant les différentes choses. Et quand je suis devenu ministre de la Culture, j'ai aussi, on m'a demandé tout de suite « c'est quoi pour vous la culture, monsieur Bettel ?» Pour moi, il n'y a pas de définition, ne prenez pas mal, parce que la culture, pour moi, c'est l'expression de vouloir faire quelque chose, que ce soit écrit, que ce soit dansé, que ce soit chanté, que ce soit joué, que ce soit peint, et que quelqu'un d'autre puisse en profiter, le regarder. Pour moi, c'est ça la culture, c'est une expression de quelqu'un, et qui permet de le partager avec quelqu'un d'autre. Et permettez-moi donc de vous dire ô combien je suis satisfait, que pas plus tard qu'aujourd'hui à 15h20, nous avons appris que Esch et les communes du sud du pays, ainsi que Villerue, avec 7 autres villes françaises, seront capitale européenne de la culture en 2022. Montrons nos forces. Montrons nos forces, mais surtout faisons une capitale européenne de la culture avec cette grande région qui fasse participer les citoyens. Que la culture soit là où on arrive à savoir que les différences, ce sont des richesses. Et qu'une société où on est différent, ce qui fait la force aussi d'une société. Et que la culture est pour moi l'expression la plus noble de cette différence. La culture est très diverse. La culture est pour moi sans définition fixe parce qu'elle évolue.
Et c'est pour ça que je tenais à être présent ici ce soir pour le 40e anniversaire du Festival du film italien. Je suis sûr qu'au début, on a dit, oui, est-ce que c'est réservé qu'à la communauté italienne ? Mais grâce au festival, vous avez permis aussi à d'autres personnes de découvrir la culture italienne qu'ils ne connaissaient peut-être pas auparavant. À d'autres personnes, à revivre des moments, à vivre des images, vivre des expériences avec d'autres personnes. Alors que ce soir, les amicards soient remis à ceux qui le méritent, ce n'est pas parce qu'on ne reçoit pas un prix qu'on n'est pas bon. Un jury fait son choix, comme les électeurs l'ont fait. Monsieur le maire m'avait dit, vous avez été maire, puis maire de nouveau. C'est comme ça que ça arrive. Des fois, on a plus de succès que d'autres fois. Et ce qui est important, c'est surtout d'être créatif. Une société où on ne sait plus créer, où on ne sait plus réfléchir, où on ne sait plus discuter, on peut même critiquer, mais surtout respecter, est une société pour moi qui n'a pas beaucoup d'avenir. Donc ce sont grâce à des festivals comme celui-ci qu'on arrive à faire vivre des moments ensemble, des moments de partage ensemble, des moments de sensibilité ensemble, des moments culturels ensemble, mais surtout des moments de respect écrits avec un grand R. Alors c'est votre voisin qui est venu ici avec beaucoup de respect pour son voisin français et pour la ville de Vélru. Merci beaucoup de votre invitation. Lorsqu'Antoine Compagnone m'a téléphoné pour me demander de présenter cette prestigieuse soirée, je me suis d'abord demandé si j'étais réellement légitime pour honorer cette noble fonction. En effet, je ne parle pas italien, ou très mal, les rares fois où j'essaie d'imiter mes amis transalpins. Je ne suis pas d'origine lorraine, mais alsacienne, encore que cet argument est défendable au vu de l'histoire souvent commune de nos deux régions. J'habite à Paris, situé, somme toute, assez loin de la Meurthe-et-Moselle, malgré les progrès des moyens de locomotion. Et enfin, mon récent passé de distributeur de films et d'exploitant de salles de cinéma m'a rarement amené à présenter ce type de soirée. Tout en me demandant ce qui avait bien pu passer par la tête des organisateurs, je me suis tout de même rappelé que je fréquente ce festival depuis fort longtemps. Ma première fois remonte à 1986. À l'époque, je travaillais comme distributeur chez UGC et je proposais mes films à un certain Antoine, qui programmait le Rio. Il m'a dit « Tu devrais venir un jour à Villerue ». C'est comme ça que tout a commencé. J'étais jeune et, à propos de jeunesse, il faudrait peut-être que j'arrête de parler de moi et que j'oublie pas mon rôle de monsieur loyal. J'ai donc le plaisir de vous présenter le premier film qui sera remis lors de cette soirée, l'Amicale du jury jeune. J'invite sur scène madame Véronique Guillotin, sénatrice, conseillère régionale, et le jury jeune à monter sur scène. Le jury jeune qui est composé de Shana Sicuranza, de Shushan Muradayan, Axel Priem, Nesrin Madatsi, Louise Human, Roman Mouzon, Lucas Ribi, Laura Thiebaud, Oriane Barbeau. Donc on va laisser la parole à la présidente voilà, du jury jeune qui va vous donner les résultats donc, de leur délibération. Alors, bonsoir à tous. Je vous souhaite déjà de passer une bonne soirée. Alors, c'est avec honneur ce soir que nous sommes présents pour attribuer l'Amilcare du jury jeune 2017 à un film remarquable. Mais avant de procéder à la récompense, l'ensemble du jury qui est présent dans sa quasi-totalité, souhaite remercier la région Grand Est, Véronique Guillotin, conseillère régionale et marraine de ce jury jeune, Oreste Sakeli et Antoine Campagnone, les deux grands délégués du festival, ainsi que toutes les personnes qui contribuent chaque année à le faire perdurer et qui nous ont accompagnés au cœur de cette splendide aventure du cinéma italien. Sur les 7 films en compétition que nous avons eu l'honneur de visionner, 4 se sont clairement démarqués. La délibération a donc été très animée et le choix assez compliqué.
On n'en est pas venu aux mains, vous inquiétez pas. Alors, c'est pourquoi nous félicitons tous les réalisateurs pour leur travail. Et avant de passer à l'Amilcar du jury jeune, nous avons décidé de remettre une mention spéciale au film multi-émotionnel Easy, Un viaggio facile, qui est le premier long métrage d'Andrea Magnani. Alors, nous souhaiterons décerner l'Amilcar du jury jeune de la 40e édition du Festival du cinéma italien de Villerue, un film qui nous a particulièrement touchés par sa fraîcheur et son originalité, mais aussi pour son esthétique filmique, son harmonie et son voyage à travers l'Italie, mais surtout pour le message de liberté qui nous a particulièrement frappés. Alors, le jury jeune souhaite au film qui sera primé et à son réalisateur d'avoir un retentissement digne de la qualité du film en Italie et d'être diffusé dans les salles françaises. C'est pourquoi ce soir, nous remettons l'Amicale du jury jeune de la 40e édition du Festival du cinéma italien de Villerue au film Il Padre d'Italia de Fabio Molo. Et vous pouvez l'applaudir très fort. Fabio Molo et Anna Ferruzzo n'étant pas présents, j'appelle Simone Ricci et Riccardo Curiel pour retirer le prix, s'il vous plaît. Les jeunes ont fait tout le travail. Félicitations et on va vous laisser donc remettre le prix par le jury jeune. Après toutes les félicitations quand même que ce jury a louées au film et au festival, moi je tenais en tout cas à les féliciter pour l'implication qu'ils ont eue, le professionnalisme de leur travail. Et voilà, je pense qu'ils ont vécu une super expérience. En tout cas, félicitations à vous tous et votre choix ne peut être que le bon. J'ai dit qu'Anna Ferruzzo n'était pas présente, mais elle a quand même tenu à transmettre un petit message aux spectateurs de Villerue par l'intermédiaire du grand écran. Intanto buonasera a tutti e grazie dell'invito che purtroppo non ho potuto onorare. Mi dispiace tanto non essere potuta lì, venire lì da voi a festeggiare il Padre d'Italia, un film al quale tengo molto, al quale sono felice di aver partecipato e devo ringraziare la Ria Giovani. Sono fiera di aver partecipato a questo film, felice di aver conosciuto Fabio Molo e contenta che anche a voi sia arrivato questo messaggio forte, poetico, importante. Quindi ancora grazie da parte mia, Anna Ferruzzo, un bacio grande a tutti voi. Incinta che ci facevano a tempo, ma è successo qualcosa di brutto. Perché tu quando ti capita qualcosa sai subito se è una cosa bella o una cosa brutta. E chi è il padre? Ma Paolo, non è così importante il padre. È giusto che lui sappia, poi decidete insieme. Sì, lo so che il furgone ne serve, lo so. Devo fare una cosa però, devo fare una cosa importante. Devi essere sincero almeno questa volta. Chi è il padre? Tu sei una persona buona. Pronto Mario? Tutto bene? Sì, credo di sì. Io credo di no. Quanto tempo siete stati assieme? 8 anni. E perché è finita? Perché volevo la casa, la famiglia, i figli. Ma tu un figlio lo vuoi o no? So dearest ally, it's our closest friend, it's our darkest blackout. Dimmi qualcosa. Sei bella. It's our final end. Let's start anew. Sono matto, secondo te? From here on in, it's just me and you.
for something. Le producteur et réalisateur de films, Marin Karmitz, m'avait raconté un jour que le jour où il a présenté son film Coup pour coup, ici, à Villerue, en 1969, le débat fut tellement houleux à l'issue de la projection que la salle a été évacuée par la police. Quelques années plus tard, une bande de jeunes cinéphiles issus de la MJC locale a eu la bonne idée d'initier un festival du film italien. Heureusement, depuis plus de 40 ans, si les projections continuent d'être souvent suivies de débats et parfois animées, on n'a plus jamais fait appel aux forces de l'ordre pour ramener le calme. Et pendant toutes ces années, un jury, savamment choisi parmi les personnalités internationales du 7e art, remet son Amilcar qui vient couronner son coup de cœur de la sélection. Voici donc l'Amilcar du jury, qui est parrainé par le conseil départemental de la Meurthe et Moselle. Donc j'invite sur scène M. Jean-Pierre Minella, vice-président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, ainsi qu'Antoine Lassaigne et François Caillat, membres du jury, à me rejoindre sur scène. Un autre. Antoine me dit de présenter le prix en 30 secondes. J'ai jamais réussi à présenter quelque chose en 30 secondes. Simplement dire que le Conseil général de Meurthe-et-Moselle a toujours été présent et a toujours donc soutenu ce festival du film italien et donc a mis en place ce prix. Il a aussi aidé à la réalisation de l'Amilcar, donc qui est une œuvre qui a été réalisée par Amilcar Zanoni, d'où ce nom d'Amilcar. Et que ce festival est tout le temps un moment exceptionnel. Alors, je n'ai pas pu être là à l'ouverture. J'étais à Madrid pour tenter de régler le problème avec la Catalogne. Je n'ai pas été performant, je le reconnais. Mais donc, je suis là pour la clôture. Et je veux dire que cette quinzaine est toujours une quinzaine importante et intéressante, nous qui sommes d'origine italienne, mais globalement pour tout le monde, parce que la culture est effectivement un espace qui touche tout le monde. Je crois que Monsieur le Premier ministre tout à l'heure a cherché à tenter une définition de la culture. Je crois que la culture, c'est peut-être ce qui permet aux uns et aux autres d'avoir un peu une historicité de l'homme, d'où nous venons, de ce qu'a été cette planète, d'être de plein pied dans la société actuelle et puis d'avoir assez d'ouverture et d'intelligence pour prévoir une société, une future qui sera encore meilleure. Alors, en Europe, on souhaite que ce soit le cas. On peut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas, et ce n'est pas la culture qui domine. Mais en tout cas, c'est vrai que nous vivons dans des démocraties. C'était l'idée des pères fondateurs, mais qu'elle peut encore aller plus loin et peut-être s'exonérer d'un certain nombre de pressions qui n'ont, elles, rien à voir avec la culture. En tout cas, félicitations. Alors, je ne connais pas encore le vainqueur, mais au jury, et qui vont peut-être maintenant expliquer qui est le vainqueur. Voilà, et puis à l'année prochaine, 41e, puisqu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Voilà, merci. Merci. Alors, au nom du jury prestigieux, puisqu'il était présidé par Christina Comencini, Jean Portante et François et moi avons eu l'honneur d'en faire partie. Nous avons décerné une mention spéciale, dont vous parlera François, et un prix, donc l'Amilcar 2018. Le jury, à l'unanimité, nous on ne s'est pas du tout disputé, c'était assez étrange, mais on a été vraiment tous d'accord. Nous décernons l'Amilcar 2008 au film Il Padre d'Italia de Fabio Molo. Nous rejoignons le public jeune. Le film traite avec une grande justesse les thèmes très contemporains de l'identité sexuelle et de la paternité. Il est servi par deux comédiens exceptionnels, Isabella Ragonese et Luca Marinelli, qui apportent une émotion croissante à une improbable rencontre. Le metteur en scène porte son film avec une force
une finesse et une inventivité qui nous a beaucoup touchés. Voilà. Et nous avions aussi une mention spéciale. Oui, effectivement, c'est bonsoir. C'est à l'unanimité aussi. Donc, en fait, la mention n'est pas une manière de représenter un conflit qui aurait été manifesté au sein de notre jury. En fait, on était d'accord unanimement pour le prix. Et en même temps, on était d'accord unanimement pour mentionner un autre film qui nous a tout à fait bouleversé en fin de partie, c'est-à-dire en fin de programme, alors qu'on avait vu 6 films ou 7 films sur 8. Et on s'est dit, là, quand même, c'est pas possible d'oublier. Donc, le jury tient aussi à récompenser d'une mention spéciale Dario Albertini et son premier long métrage, Manuel, pour la rigueur du traitement et la vérité de l'interprétation. Encore une fois, je rappelle sur scène Simone Alici et Circulo Curiel pour retirer le prix. Cette fois, c'est le réalisateur Fabio Molo qui a également tenu à nous adresser un message par l'intermédiaire de l'écran. Buonasera a tutti e grazie mille, grazie di cuore per questo premio. Vorrei ringraziare il pubblico che è numeroso e venuto a vedere il Padre d'Italia a Villerupt. Vorrei ringraziare i membri delle giurie che hanno creduto nel film. E vorrei ringraziare molto gli organizzatori che hanno invitato il film, tra l'altro proprio quest'anno, la 40ª edizione del festival, cosa che mi ha reso molto orgoglioso e molto felice. Avrei voluto veramente tanto essere lì con voi stasera, ce l'ho messa tutto, vi giuro, però purtroppo mi trovo a San Francisco in questo momento per motivi di lavoro e non sono riuscito a rientrare in tempo in nessun modo. Ci tenevo comunque però tantissimo ad essere lì. Sono stato contento di essere venuto settimana scorsa a presentare il film e sono contento di aver visto un festival dove si respira un'atmosfera pazzesca, bellissima, una passione grandissima per il cinema italiano, sia da parte del pubblico che da parte degli organizzatori. Quindi vi ringrazio veramente tanto anche per il lavoro che fate di promozione del cinema italiano in Francia e all'estero. Aggiungo nei miei ringraziamenti anche i ringraziamenti da parte della cast, della troupe e di tutti quelli che hanno fatto il film. E se posso, vorrei anche aggiungere i ringraziamenti per il premio della giuria giovane. Il Padre d'Italia è un film dedicato alle nuove generazioni, che parla delle nuove generazioni e alle nuove generazioni. Quindi questo premio, il premio della giuria giovane, ha un significato particolare per me e per tutti noi. Ci tenevo tanto quindi questo premio a dedicarlo proprio ai giovani, alle nuove generazioni. Grazie di cuore e speriamo di vederci presto. Tu che puoi fare da grande? Ma non sono sicuro di te, però in realtà siamo già grandi. Dai, Paolo, hai capito, no? Ce la fai dei sogni nella vita? Io non riesco a stare un po' più con le mie divertenze. Non ci crede essere così. Ma in realtà da bambino volevo fare il falegname, ma dopo l'architetto, un po' come evoluzione. Va bene così. Va bene così. Va bene così. Non va bene così. Non va bene così, ma. Non va bene così. Non va bene così per niente. Non va bene così. Non va bene così. Non va bene così. Non va bene così. Thank you.
Traduction du message de Fabio Mollo. Bonsoir à tous et merci, merci mille fois, merci de tout cœur pour ce prix. Je tiens à remercier le public nombreux qui est venu voir Il Padre d'Italia à Villerue. Ma gratitude va aussi aux membres du jury qui ont aimé mon film, ainsi qu'aux organisateurs qui l'ont sélectionné, particulièrement cette année pour la 40e édition. J'en suis fier et très heureux. J'aurais vraiment souhaité être parmi vous ce soir. Je vous assure que j'ai fait tout mon possible, mais malheureusement, je suis actuellement à San Francisco pour des raisons professionnelles et je n'ai vraiment pas pu rentrer à temps. J'y tenais vraiment à être parmi vous et je suis content d'être venu la semaine passée pour présenter mon film. J'ai trouvé une ambiance aussi folle que belle et une énorme passion pour le cinéma italien, tant chez le public que chez les organisateurs. Je vous remercie donc pour votre travail au profit de la promotion du cinéma italien en France et au-delà. À mes remerciements s'ajoutent ceux des interprètes, des techniciens et de tous ceux qui ont collaboré au film. Qu'il me soit consenti d'ajouter mes remerciements pour le jury jeune. Le Padre, Il Padre d'Italia est un film dédié aux nouvelles générations, il parle des nouvelles générations et s'adresse à elles. Aussi ce prix a-t-il une valeur toute particulière pour moi et pour nous tous. Je souhaite donc dédier ce prix précisément aux jeunes et aux générations nouvelles. De tout cœur, merci et en espérant vous revoir bien vite. En 1989, j'ai eu la chance de faire partie du jury presse de ce festival. Cette année-là, un film fut programmé au dernier moment, sans avoir eu le temps d'être sous-titré. On a donc pu assister à une séance présentée en traduction simultanée avec des interprètes qui doublaient le film en direct. Et bien sûr, pour la seule et unique fois dans l'histoire du festival, c'est ce film, Vado a riprendermi il gatto, qui remporta le prix de la critique. Cette année, par exemple, le jury presse a pu faire son choix parmi plusieurs films, tous présentés avec des sous-titres. C'est sans doute un peu moins folklorique, mais c'est bien plus pratique. J'invite sur scène, pour l'amicale du jury de la critique, Rachel Zirovnik, déléguée aux relations avec le Luxembourg et au territoire de Thionville et conseillère département de Moselle, ainsi que Carolina Markiewicz, qui était membre de ce jury. Bonsoir, je viens en tant que voisine aussi, je suis ravie. Alors au nom du jury de la critique de son président Michel Simon et de toute l'équipe, je tiens à remercier le festival de Villerue et de toutes ses équipes ainsi qu'au public splendide, c'est-à-dire vous, pour les très beaux moments passés en votre compagnie. Alors, je vais très rapidement annoncer les résultats. À l'unanimité, la mention spéciale du jury de la critique ira au premier long métrage de Roberto De Paolis, intitulé Cuori Puri, pour la vitalité de son style et l'intensité de ses comédiens. Et le jury de la critique a primé l'Ordine delle Cose d'Andrea Segre pour la rigueur de sa mise en scène et l'approche originale d'un sujet contemporain très important, la crise de la migration. J'appelle Arnaud. Arnaud Tignon de la société Sophie Dulac Distribution à venir chercher le prix. Peux dire juste quelques mots avant de remettre. Voilà, donc je voulais simplement vous saluer toutes et tous, vous dire que je suis ravie d'être ici entre amis et voisins, comme cela a été évoqué, de représenter le département de la Moselle afin d'affirmer notre soutien sans faille à la culture et notre attachement aussi à tous les projets transfrontaliers qui peuvent émerger ici et au Luxembourg. Nous y serons toujours partenaires et ce qui me tient aussi à cœur, c'est de pouvoir transmettre la culture à un plus grand nombre et aussi à nos jeunes générations. Voilà, je vous félicite pour votre prix.
Merci. Je voulais surtout, au nom d'Andrea, parce que tout le mérite revient à Andrea, remercier le jury. Et ça sera effectivement, en tant que distributeur, l'appui de la presse sera un appui certain pour pouvoir faire vivre le film dans les salles. Merci beaucoup. Non avremmo chiamato lei, ma avremmo mandato un funzionario qualsiasi, giusto? Mr. Rinaldi from Italy. Terranova, occhio a questo. Questo è un fenomeno, ha fatto le Olimpiadi di spada. Ero solo riserva. Sembra un grande videogame. A noi piace giocare, soprattutto se si vince qualcosa. Non possiamo più aspettare. Noi vogliamo fermiate le parti presenti in Artibiche. Siete voi che dovete fare qualcosa adesso. Questo non è il solito paese sfigato dell'Africa. Qui il potere è una cosa seria ed è tribale. Lì c'è il rubinetto che regola il flusso e lei lo deve e lo può chiudere. Non ho più tempo. E qualcuno lo sa? Solo tu. Invece è tutto irrimediabilmente beige. Papà, tu hai ucciso qualcuno? Noi siamo il paese che salva le vite umane. Ma non possiamo continuare a affrettare tutti. Tu non ce le hai le testimonianze contro Mustafa, vero? No? Tutto l'ha detto bene. Dottor Rinaldi è pazzo. J'étais en train de me faire la réflexion qu'en 42 ans de métier dédié au cinéma, j'ai vu des milliers de films annonces, mais jamais d'aussi près. C'est assez bizarre. En 2008, pour la première fois, un jury d'exploitants est constitué sous le patronage du magazine Côté Cinéma. Depuis, plus de 60 professionnels, issus de tous les coins de la France, se sont succédés au sein de cette commission récurrente. Et même si beaucoup d'entre eux sont habitués à fréquenter les festivals de Cannes, Venise ou Berlin, tous, sans exception, ont formulé le vœu de pouvoir revenir ici, à Villerue, pour refaire partie d'un jury. L'année prochaine, on espère qu'un nouveau partenaire pourra parrainer cette sélection des responsables de salles de cinéma. Cette année, on présentera donc l'amicale du jury des exploitants, qui est parrainée par la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette. Et j'invite donc sur scène André Partenay, président de cette communauté de communes Pays Haut Val d'Alzette, et Christian Vrobel, qui est programmateur art et essai du cinéma Casino de Jeuf et qui est membre du groupe Action Promotion de l'AFCAE. Le jury, pour mémoire, était composé d'Anne-Juliette Jolivet, des 400 coups d'Angers, de Daniel Castaner, le directeur du Palace à Épernay, et de Patrice Gomboteau, le programmateur de l'Excelsior à Saint-Dié. Bien, avant de passer la parole au jury exploitant, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire passer deux petits messages au niveau de la communauté de communes. Le premier, il est simple, c'est le soutien sans faille de la communauté de communes auprès du Festival du film italien, qui a su, durant 40 années, porter l'héritage de nos anciens. Et je pense que là, c'est vraiment superbe, parce que dans ce territoire, je pense que chacun a forcément un peu une racine italienne. Et donc, bravo à tous les bénévoles et au festival et aux membres du festival. Le deuxième, c'est un message d'espoir et d'avenir. Le Premier ministre, M. Xavier Bettel, en a parlé déjà.
On a maintenant un label qui est Ège Capitale Européenne de la Culture en 2022. Et c'est avec fierté que la communauté de communes est partenaire de ce label. Ce label permettra aussi de se repositionner quand on parle d'avenir. Le Premier ministre a parlé d'espoir et d'Europe, et je pense que c'est vrai. Il faut plus d'Europe, il faut plus de culture pour justement relever ce défi qui est de travailler sur l'intégration. C'est un vrai challenge, et ce challenge, je pense qu'on doit le relever ensemble. Voilà, merci à nos amis luxembourgeois de nous permettre de vous accompagner dans cet enjeu et dans cet espoir pour l'avenir. Voilà, merci. Bonsoir, monsieur, dame, mais je vais mettre au pupitre pour être plus à l'aise. Avec mon petit papier, c'est plus facile. C'est mieux. Bien. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Buonasera a tutti. Le jury des exploitants s'est vu proposer 6 films inédits qu'il espère voir un jour sur les écrans français. Parmi ceux-ci, un particulièrement retenu notre attention pour ses qualités d'écriture et de maîtrise du scénario, pour la finesse et la subtilité des dialogues, pour l'humanité et la délicatesse avec lesquelles le thème a été traité, pour l'originalité de la transmission de certaines valeurs à la jeune génération, pour l'interprétation brillante et émouvante des deux principaux comédiens et la place de la poésie faite dans ce sujet contemporain. Le jury, à l'unanimité, a attribué son prix à Tutto quello che vuoi de Francesco Bruni. Le jury espère que ce choix incitera un distributeur à diffuser ce film en France et donnera autant de plaisir aux spectateurs qu'il en a donné aux festivaliers de cette 40e édition. Merci, bonne fin de festival. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la 41e édition. J'appelle Carolina Pavone à venir chercher le prix. Buonasera a tutti e grazie mille per questo premio, grazie al festival. Bonsoir à tous et merci pour ce prix. Bon, je remercie le festival. E vi ringrazio molto anche Francesco Bruni che purtroppo non è riuscito a venire ma ha mandato me. Vous remercie aussi Francesco Bruni qui n'est pas parvenu à revenir ici. E vi ringrazio molto anch'io che sono stata molto contenta di aver preso parte a questo film che è così divertente, però anche come sentivo che hanno detto prima. Donc je suis très contente d'avoir participé à ce film qui a été si amusant. E anche però è anche molto commovente, anche per me che l'ho visto tante volte. Grazie mille. Merci beaucoup. On va peut-être passer la bande-annonce du film. Super. Lei è studente? Io no, ho smesso. E di che cosa si occupa? Di niente al momento. Ma che ci facevi a villasciare con quel vecchio? Lo porto a spasso, mi danno 30 euro all'ora. Almeno pagherai i buffi. Taraggi? E come taraggi? Spacci? Non riesci più a distinguere cosa va bene da cosa va male, perché l'Alzheimer fa così. Ma che si attacca? Mai sentito. È un poeta molto importante. Vinto un sacco di premi, scritto un sacco di libri. Come? Un déjà vu. Ma che si sente male? Io? No. Guarda, è sempre mancata molto la compagnia maschile. Ma sono davanti al portiere, ecco, il gol! Ah, abbiamo mancato! Tutto a posto? Le sono obbligato. No, non ho capito. Grazie. Ah, eccomi. Lei non ha mai scritto poesie? No, io... Si scrivono quando non si sa dove mettere l'amore. Se te portano al gabbio io te ce lascio. Peggio del qua un po'
ho pensato. Voglio tornare lassù. Ma lassù dove? Ma dobbiamo fare in fretta. Non c'è più tempo. Ma non capisco perché non me ne hai parlato. Tutto quello che vuoi, e fu quello il saluto. Tutto quello che voglio, alla fine, l'ho avuto. Lors de ces dernières éditions, le Festival de Villerue a rassemblé plus de 40 000 spectateurs. Celui qui est en cours n'est pas tout à fait fini, mais je crois savoir qu'on est à peu près dans les mêmes chiffres. Le succès de cet événement annuel, qui a largement dépassé les frontières, est sans doute dû en grande partie à sa convivialité toute particulière et à la qualité de son accueil. Des atouts qui ne seraient sans doute pas mis en valeur sans l'implication sans faille des organisateurs et des bénévoles de Villerue et de ses environs. Sans pouvoir nommer tout le monde, profitons de cette soirée pour tirer un grand coup de chapeau à Antoine, Oreste, Sandrine, Bernard, Jean-Claude, Mariam, Alexiane, Gauthier, François, Anne-Aurore, Rémo, Charlotte, Elisabeth, Marine, Claire, Fabio, Sarah, Anthony, Sophie, Nina, Rita, Massimo, Christophe, Carole, Alexandra, Fiorina, Stéphane, Sébastien, Didi, Mathieu, Gilbert, Thomas, Armand, Jean, Julie, Lisa, Audrey, Igino, Ben, Gilbert, Estelle, Jean-Marie, Pauline, Denis, Ivo, Gamma, James et les dizaines et dizaines d'autres qui ont fait, qui font encore que cet événement est sans doute un des plus chaleureux dans le monde du cinéma. Et une pensée particulière pour Daniel et Giuseppe. Je présente maintenant l'Amicard de la ville de Villerue, cette récompense qui est décernée à une personnalité du monde du cinéma italien. Le lauréat de cette année ne pouvait être parmi nous ce soir et l'Amicard lui a été remis lors de sa venue samedi dernier. Découvrons de qui il s'agit sur le grand écran. Eh bien, j'appelle maintenant Marco Tullio Giordana. Merci. Marco Tullio Giordana, donc, à qui nous allons remettre le prix de la ville. Marco Tullio, nous avons réalisé, évidemment, une rétrospective. On aurait bien aimé trouver les premiers films, hein, Maledetti vi amerò, La caduta degli angeli ribelli. On avait passé ces films lors des anciennes éditions. Malheureusement, les copies sous-titrées français sont introuvables, peut-être même les copies en italien, n'est-ce pas? Ah oui, c'est impossible de les trouver, peut-être... Quelquefois, je doute de l'avoir fait, ces films-là. Il n'y a pas de témoignages. C'est mieux, on peut dire qu'ils sont de petits chefs-d'œuvre. Personne ne peut contrôler. Si, si, on trouve encore des copies, on arrive à trouver des DVD, des choses de ce genre. Et donc, nous avons dû forcément commencer notre rétrospective là où on trouvait facilement les films, à savoir en 2000. Et nous avons commencé par I Cento Passi, évidemment. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'était un bon film. C'était un bon film. C'est un film dans lequel j'avais travaillé pour la première fois avec Luigi Locascio. C'était son premier film. Et c'était un acteur extraordinaire. C'est le premier film avec lequel j'ai commencé à travailler avec Roberto Forza, le directeur de la photo. Avec Angelo Turetta, photographe de scène. Merci Antonio de tout ce que tu as dit. C'est un grand artiste, ce sont des grands artistes. Et avec Il Phonic, l'ingénieur du son. Et donc, c'est un film pour moi qui a eu une très grande importance parce que j'ai trouvé avec ce film mes collaborateurs idéaux. C'est un peu comme une compagnie de théâtre. S'est formé avec le son pain. Alors nous avons malheureusement évité de prendre un très beau film, mais difficile à placer dans une programmation de festival, vu qu'il dure 6 heures, c'est Nos meilleures années.
Et il faudrait voilà. un festival. En effet, c'est beaucoup, c'est trop. Mais nous l'avions présenté à l'époque, nous l'avions présenté. Et puis donc les tout derniers, dont aujourd'hui évidemment nous allons découvrir le dernier opus. Mais auparavant, donc j'appelle Antoine Compagnon et en l'absence du maire de Villerue, le premier adjoint au maire Bernard Reis, pour remettre l'Amilcar de la ville de Villerue à Marco Tullio Giordana. Merci. Ça c'est magnifique. J'en ai déjà un et je vais les mettre les deux ensemble pour dialoguer. C'est magnifique cette sculpture parce que c'est l'écran avec une cornice, comme on dit. Avec un cadre. Comme un grand tableau du Rinascimento. Il y a le public, il y a les acteurs, c'est-à-dire les deux protagonistes. Parce que l'écran, il y a un écran de l'autre côté et un écran de cet côté. Et il faut les réunir. Voilà, c'est une grande idée. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous. Je voudrais bien sûr remercier Marco Tullio Giordana au nom du festival et également au nom de la ville de Villerue pour sa présence aujourd'hui pour la présentation de son dernier film Due Soldati. Marco Tullio Giordana nous vient à Villerue pour la quatrième fois. Et il était venu. Et c'est pas la dernière. Il était venu pour la première fois en 1995 où l'on avait présenté en compétition Pasolini, Mort d'un poète. Et il avait gagné un prix à ce moment-là. Ce n'était pas encore l'Amilcar. Non, c'était la plaque. Voilà. La plaque de céramique, c'était le trophée de l'époque. Okay. Et donc il nous était revenu également pour Sangue Pazzo, un peu plus tard, et puis pour Piazza Fontana, en titre français, en 2012-13, je ne sais plus. 12, voilà. Donc merci au nom du festival, merci au nom de la ville de Villerue, et continuez encore à faire des films, et chaque fois qu'on le pourra, on vous accueillera ici. Merci. Le public de Villerue est unique. Nous sommes nombreux, les professionnels de la profession, à fréquenter les festivals du monde entier, les rencontres cinématographiques nationales et internationales, les congrès, les conventions et autres cérémonies dédiées au cinéma. Mais je peux vous assurer qu'il y a très peu d'endroits au monde où l'on ressent autant les vibrations du public et où les spectateurs participent avec autant de cœur aux histoires qu'ils voient se dérouler sur les écrans villerupsiens. Bravo à tous et à toutes, et continuez comme ça le plus longtemps possible, s'il vous plaît. Le dernier Amilcar, c'est l'Amilcar du public, justement, qui est parrainé par la région Grand Est. Et j'invite sur scène Oreste et Antoine, ainsi que Pascal Mangin, conseiller régional, président de la commission culture. Premier ministre, je dois dire que si tous les premiers ministres des pays membres de l'Union européenne étaient aussi chargés de la culture, l'Europe irait sans doute beaucoup mieux. C'est donc un formidable espoir que vous nous donnez. Aller au cinéma, c'est aller voir des films, c'est se construire, c'est être ému, c'est pleurer, c'est rire, c'est avoir des souvenirs, c'est se forger, devenir un homme, devenir une femme, c'est avoir aussi les premiers souvenirs d'adolescence, de moments où on emmène quelqu'un qui nous est cher. Bref, c'est le cinéma, c'est vraiment la vie. L'Italie est un pays que
je crois, tous les Français aiment. Et vous avez un cinéma formidable, une cuisine formidable. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles ce festival est si chaleureux. Et je suis vraiment heureux d'être là, parce que la première fois que vous m'en avez parlé, c'était dans un autre festival qui compte un petit peu moins bien, c'était à Cannes. Donc voilà, c'est évidemment tout ce travail, tout cet engagement, tout ce qui est fait par ces artistes, c'est pour le public. Et je crois que c'est vraiment la grandeur d'un festival, son honneur de faire en sorte que le public soit au cœur de ce festival à travers ce prix. Donc bravo au public, vous étiez 40 000 cette année, objectif 45 000 l'an prochain, avec plein de luxembourgeois qui vont venir ici, ça va être possible. Merci et bravo à tous. Alors, on va jouer au 5-4-3-2-1. Parce que, bon, il y a eu plein de bulletins de vote. Alors, les bulletins, c'est des petits bulletins. Il faut arracher le coin qui correspond à son appréciation. J'ai beaucoup aimé, j'ai aimé. J'ai pas beaucoup aimé, c'était vraiment nul. Voilà, en gros, les quatre choix. Dans les votes, c'est 4-3-2-1. 4-3-2-1. Voilà. Oui, mais nous, on joue au 5-4-3-2-1 parce qu'on va commencer par le cinquième. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'il y a eu énormément de votes. Donc, ça nous permet aussi de voir un petit peu comment est jugée la totalité de notre programmation. Alors, plus de 6 000 votes par rapport à cette compétition. Plus de 6 000 votes. Bon, et sur une seule semaine. Et sur une seule semaine. Sur une seule semaine et sur 19 films. Donc, alors, le cinquième, qui est-ce ? Fortunata de Sergio Castellitto. Fortunata de Sergio Castellitto est arrivé en cinquième position. Alors, on remonte. Quatrième position. Il Padre d'Italia de Fabio Mollo. Il Padre d'Italia de Fabio Mollo. Alors, public jeune, enfin jury jeune, jury, le public le classe quatrième. Je crois qu'il faudra le voir demain. Hein. Ouais. Ceux qui ne l'ont pas vu, il faudra. Hein. Bon, ensuite, troisième, là on est podium. Ben, notre ami Francesco Amato, c'est Lasciati Andare. Lasciati Andare de notre ami Francesco Amato, qui était là au début du festival. On arrive au second. Attends. Ouais, vas-y. Alors, toujours notre ami Francesco Bruni. Un autre Francesco, Francesco Bruni, tutto quello che vuoi. Le prix, donc, des exploitants, le jury des exploitants est deuxième pour le public. Et alors, l'apothéose. Alors, un monsieur qui est venu il y a quelques années, 7 minuti de Michele Placido. 7 minuti de Michele Placido, prix du jury, prix du public, pardon, du 40e Festival du film italien de Villerue. J'appelle sur scène Arnaud Pernoghese de la société Cannibal Film Distribution. Merci à tous. Je vais évidemment remettre en main propre ce prix à Michele, qui était au théâtre et qui n'a pas pu se déplacer, mais je vais lui remettre ce prix. Et je vous remercie tous, évidemment, de lui avoir donné, et vous remercie aussi. Le film sort en salle le 28 février. Donc, j'encourage... J'encourage évidemment tous ceux qui veulent le revoir ou qui ne l'ont pas vu, évidemment, d'aller le voir le 28 février. Voilà. Et puis je remercie évidemment le festival de nous accueillir et d'accueillir tous ces films dont j'ai vu quelques-uns qui sont évidemment sublimes. Voilà. Bravo. Alors là aussi, pour ceux qui ne l'ont pas vu, comme tous les films primés, il y a une nouvelle grille des programmes qui va être publiée, enfin qui est publiée, que vous aurez à la sortie, et qui vous indiquera comment voir ces films demain et après-demain. Je crois qu'il ne faut pas les rater. Même s'il sort le 28 février, vous avez une occasion toute proche de le voir maintenant. Alors, on a fini, pratiquement. On laisse la parole. On te laisse la parole. Alors, une fois n'est pas coutume, on a une bonne idée, c'est de se dire que on a parlé des bénévoles, qui ont ce rôle aussi important à chaque fois. Et pour une fois, on va faire comme d'habitude, venir les primer pour la photo, tous les gens qui ont reçu un prix, de revenir sur scène pour la photo de famille.
Et on va aussi inviter les bénévoles pour une fois. Alors ça va faire un peu de monde sur scène. Caroline, il y en a Simone. Une bonne partie qui est là. Caroline. Donc voilà, on va Simone. Leur dire, faire un petit coucou. Simone. On va faire monter tout le monde sur scène. Grazie. Ah, j'avais oublié le film annonce, pardon. Allora non voglio dimenticare la forza vera che sono le nostre operaie. Siamo state vendute. Chi ci possedeva? Da domani è minoranza. Comandano i soci stranieri. Allora ci fanno fuori o siamo salve? Ognuna di noi dovrà votare espressamente sì o no. Bianca, che cazzo stai a dire? Rispondi. Parla chiaro, che cosa vogliono? E cos'è? Uno scherzo? Ci mettono alla prova per vedere che cosa possono ottenere. Qui è tutto a nostro vantaggio. E stop! Io rifiuto. Vabbè. Io voto sì. Che sono disposta a far per lavorare, eh? Tutto siamo disposti a fare, tutto! Se ognuna di noi da sola si è convinta che può fa niente, che cazzo ci siamo venuti a fare qua? E se quello che guardiamo non è il cielo? Ma mare che sta per cascarci in testa. Les vols, les primés, pour la photo de famille. Je profite en clôturant cette remise des Amicards pour remercier également Julien et André Arpetti pour les jolis moments musicaux. Pas tous là, hein, les bénévoles. Il n'y en a que quelques-uns. D'autres sont de service, d'autres sont repartis, d'autres sont timides et se cachent dans le public. Mais d'autres sont peut-être chez eux devant leur ordinateur pour voir la retransmission en direct de cette cérémonie. Salut à tous, salut à nous tous. Et après-demain soir, on fait la fête. Merci beaucoup. Ce sera fini. Allez, ouais. Et un gros coucou également à Giuseppe et à Daniel. On pense à vous.